Bah, je fais plein de choses, donc je suis écrivain, traductrice. Il y avait un moment où je me qualifiais aussi traiteur littéraire. J'inventais les mets qui vont avec les thèmes du festival ou bien d'auteurs des livres. Je n'avais pas tellement de rêves, mais aussi quand même. En fait, je voulais faire plein de choses. Je voulais voyager, je voulais connaître plein de pays différents. Je ne suis pas voyageuse de profession, mais finalement, pour mon travail, je bouge dans plein d'endroits. Finalement, c'est un peu mon rêve exaucé. C'est lorsque mon manuscrit pour le premier livre, donc en français, a été accepté. En fait, quand on sort le premier livre, c'est comme si on renaît, ou bien qu'on se transforme en une autre personne. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai gagné ma deuxième vie en tant qu'auteure française, que je suis toujours. C'est 16 sèches. 16 sèches.